Bienvenue à tous. Aujourd'hui, fête de la Pentecôte, fête qui marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'Église. Cet événement survient 50 jours après Pâques. Les catholiques célèbrent donc la Pentecôte dans la ferveur, chants et prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Au menu, voyons ensemble le sens de la Pentecôte avec Honorine Ingouri. La fête de la Pentecôte célèbre la troisième personne de la sainte Trinité. Dieu l'Esprit Saint. Il est donné aux chrétiens le plus souvent lors des sacrements de baptême et consolidé à la confirmation. Mais avant la Pentecôte, pour recevoir le Saint-Esprit, les disciples ont demeuré durant neuf jours dans la chambre haute au Sénac avec en leur compagnie la Vierge Marie, l'épouse du Saint-Esprit. Ils se préparaient ainsi dans le jeûne, le recueillement et la prière à accueillir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pour imiter les disciples dans l'attente du Saint-Esprit, les Sénacles sont organisés dans les églises, les temples et par des communautés de prière à l'intention des fidèles chrétiens. Au Sénacle, des enseignements sont dispensés pour mieux faire connaître le Saint-Esprit. Ces dons et leur diversité sont révélés. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 10. Parlant des dons, il y a le don de prophétie, de foi, de discernement, de miracles de guérison, etc. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 13, Que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous sommes baptisés dans un seul esprit. L'objectif du Saint-Esprit est de parfaire la vie des chrétiens et de les bénir. L'une des grandes conditions de l'Esprit Saint est de rechercher l'amour, comme nous le dit 1 Corinthiens 4, verset 1. C'est ce qu'a toujours recommandé le Seigneur Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. En bref, le centre de télémédecine du CHU de Yopougon inauguré. Deux ministres sur place pour marquer l'événement. Il s'agit des ministres de la santé et des TIC. Ce projet est une initiative de la République de l'Inde et il répond donc aux soucis du gouvernement ivoirien de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Les opérateurs de télécom en Côte d'Ivoire ne respectent pas les obligations du cahier des charges. Ces manquements pourraient leur coûter près de 3 milliards de francs CFA à verser en termes d'amende. Après un audit l'an dernier, ils ont été mis en demeure par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI. Le directeur général Bilé Djemileou était face à la presse. On fait le point avec la Sina Ouattara. Ils sont nombreux les Ivoiriens qui se plaignent au quotidien de la qualité des services des opérateurs de télécommunications. Quand les appels ou SMS ne passent pas, ce sont les encombrements ou encore les débits internet qui laissent à désirer. L'an dernier, un audit commandité par l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, RTCI, avait révélé qu'aucun opérateur ne respecte le cahier des charges. Ainsi, le Conseil de régulation, disposant de compétences quasi juridictionnelles, vient de mettre ces compagnies en demeure. Nous venons de faire la mise en demeure et ensuite, nous leur avons aussi signifié qu'en cas de non-relève de ces manquements, ils seront obligés de payer les pénalités que nous avons calculées. Et ces pénalités ne sont pas uniformes. Ça varie selon le manquement de chaque opérateur. C'est une somme de près de 3 milliards de francs CFA que l'ensemble des opérateurs va devoir verser à l'État si d'ici un mois, il n'y a pas d'amélioration. Nous serons intransigeants. Nous ferons de sorte que ces montants qui ont été déterminés, si vraiment ils ne sont pas relevés d'ici un mois, après la notification bien sûr, que ces montants-là soient réellement payés, ça nous permettra d'investir. Selon les chiffres fournis par l'autorité de régulation, l'an dernier, le secteur a enregistré près de 1 000 milliards de chiffres d'affaires, avec la téléphonie mobile ou opère six compagnies pour près de 20 millions d'abonnés. Et justement, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, a engagé plusieurs réformes pour le bien-être des populations et pour en savoir davantage. Le magazine du dimanche recevra tout à l'heure le directeur général de l'ARTCI, Billy Demeleou, pour nous parler de ces réformes. Mademoiselle Yo Jennifer, candidate numéro 15, élue Miss Côte d'Ivoire 2014. Le concours de beauté Miss Côte d'Ivoire 2014 a connu hier soir son apothéose avec la finale qui a enregistré 26 prétendantes pour la 18e couronne de cette compétition. L'événement a été rehaussé par la présence de la Première Dame et nous reviendrons largement sur ce concours de beauté avec notre reporter Jérôme Kofi Aboulin dans notre édition de 13 heures. Et hors de nos frontières, l'ex-chef de l'armée, Abdel Fattah Sissi, élu président de l'Égypte avec 96,9% des voix après avoir éliminé toute opposition de la scène politique, a prêté serment dimanche, près d'un an après avoir destitué son prédécesseur, Mohamed Morsi. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13h. Merci de votre fidélité.